Alors pourquoi je me suis engagé avec Ville au Carré en région centre? Parce que pour moi, même si évidemment c'est mon métier, la question du numérique aujourd'hui, c'est avant tout une question militante. Ne laisser personne au bord de la route. Quand Ville au Carré m'a interpellé sur cette question-là, c'était une évidence pour moi. Y compris, c'était une évidence de peut-être sortir de ce qu'on pouvait entendre régulièrement, oh, sur la région centre, c'est pas très dynamique. Je crois que le travail qu'on est en train d'effectuer actuellement montre qu'il y a des initiatives très intéressantes et que l'enjeu, il est de les diffuser, il est de faire école un petit peu. Et ça me paraît assez fondamental dans ce qui va se construire aujourd'hui, dans ce qui se construit autour de la société numérique. Donc voilà, quand un territoire aujourd'hui est en ébullition sur ces questions-là, je suis toujours quelqu'un de passionné, donc je viens avec grand plaisir. Mes attentes sur la journée du 5 juin, c'est que chacun puisse repartir en se disant, j'ai pas perdu mon temps. Je suis venu, je savais pas trop comment aborder cette question du numérique. Je repars, je sais qui contacter. Je sais quels sont les enjeux, je sais quel plan de formation je vais me mettre en tête, je sais que je vais pouvoir réinterpeller Ville au Carré sur des choses assez précises en termes de documentation, en termes d'exemplarité. Voilà, moi j'attends vraiment de cette journée qu'elle soit conviviale, festive, c'est important qu'on s'amuse, qu'on soit bien ensemble, mais c'est important aussi que ça soit pour tous les participants l'occasion de se construire une vraie boîte à outils. Qu'ils soient armés, qu'ils ne partent pas de là en disant bah, ma foi, je me suis déplacé pour rien. Non, là, ça serait un échec. Je pense qu'on peut attendre de cette journée et il serait légitime, ces acteurs-là, d'attendre de Ville au Carré, de tous les partenaires qui s'associent à Ville au Carré, de leur dire et de leur donner les moyens d'agir sur le développement du numérique au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège d'une journée où on s'est fait plaisir, où on a vu de belles choses, c'est jamais inutile. Mais qui ne donnerait rien ensuite. Il faut vraiment que, encore une fois, cette journée, on puisse sortir avec des préconisations, on puisse se donner des rendez-vous, voilà, se dire que ce n'était qu'un point de démarrage. Et que maintenant, on se connaît, on peut se côtoyer, on peut s'interpeller, on sait qu'on a des institutions qui vont nous soutenir dans nos démarches. Voilà. Donc le piège, ça serait de tomber dans une journée qui ne serait qu'une journée de communication, ce qui serait, à mon sens, dramatique.